Merci d'être venu en grand nombre. Peu importe la raison, je suis content d'avoir beaucoup de monde. On va y aller avec l'ouverture de la session au point 1. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès verbal, séance du 2 mai 2022. Au point 4, délégué à la fabrique, Michel Lalonde. Administration, point 5, adoption des comptes à payer, mai 2022. Point 6, avis de motion et présentation du projet de règlement 725-22 relatif à la numérotation des immeubles. Point 7, tournoi de golf, les petites boîtes à lunch. Point 8, collecte de pneus. Point 9, réclamation dommages vandalisme novembre 2021. Point 10, autorisation de signature demande de servitude lot 5 983 057. Point 11, demande de dérogation de bruit loisirs air-soleil. Point 12, mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à poux. Point 13, politique de remboursement de dépenses et kilométrage, modification du taux, article 6.1. Sécurité incendie, point 14, demande d'achat mai 2022. Point 15, rapport annuel de l'an 9. Voirie, point 16, remplacement du poteau de glissière de sécurité. Point 17, remplacement de ponceau, 6e rang. Point 18, nettoyage de fossé, 6e rang. 19, débroussaillage 2022. Point 20, installation de radio sur la niveleuse. Point 21, nettoyage sous la glissière dans le premier rang. Point 22, rapiessage mécanisé 2022. Point 23, remplacement du ponceau route bois vert. Point 24, abat poussière 2022, surcharge de carburant. Point 25, PAVL, autorisation de signature, convention d'aide financière. Urbanisme et zonage, point 26, recommandation à la CPTAQ pour le lot 5 981 080 et 5 983 057. Loisirs et culture, point 27, aménagement, branchement du camion de crème glacée. Point 28, le petit marché, une enseigne. Point 29, regroupement de dépenses pour le petit marché. Point 30, remerciement des bénévoles. Point 31, parcours historique. Point 32, aide financière, réparation de l'église. Général Varia, point 33, correspondance. Point 34, période de questions. Et point 35, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'ordre du jour. M. Bellisle, secondé par M. Drouin. Point 3, adoption du procès verbal à la séance du 2 mai 2022. Monsieur Lalonde, seconde, proposé par Pierre Lavallée. Point 4, au conseil délégué à la fabrique, Michel Lalonde. J'ai rencontré Monsieur Caillé, le responsable de la fabrique, puis tel qu'on avait déjà discuté ici. Je lui ai demandé s'il voulait qu'un conseiller se joigne à son équipe. Il était très ouvert à ça en me disant que ça se faisait dans le passé. Donc, ça va être M. Lalonde qui va être assigné comme délégué à la fabrique. Vous l'avez déjà contacté? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Paradis, secondé par Mme Couture. Administration, point 5, adoption des comptes à payer, mai 2022. C'est une liste des comptes à payer au montant de 183 756 et 71. Monsieur le proposeur, M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Point 6, avis de motion, présentation du projet de règlement 775-22 relatif à la numérotation des immeubles. Ça, c'est les affiches 9-1 qu'on va avoir. Tout le monde va avoir une adresse, un numéro civique en avant de chez eux. Ce que ça vient spécifier, c'est que vous n'avez pas le droit de le changer de place, de le peinturer, puis de l'altérer de quelconque façon. Ça résume bien? Oui. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Bellisle. C'est tout. C'est tout. C'est un dépôt. Point 7. Point 7, tournoi de golf, des petites boîtes à lunch. Les petites boîtes à lunch, c'est la MRC qui nous invite. Les petites boîtes à lunch, ça se fait dans les écoles pour les enfants. Le projet, c'est pour les enfants qui ont de la misère à se nourrir. Il y a environ 172 enfants dans la MRC. Il y en a à peu près partout qui ont de la misère à manger trois repas par jour. Donc, ce que ça vient faire, c'est donner un repas du midi.
C'est une boîte à lunch qui arrive, comme les autres, elle est bien banale, rien de spécial, rien d'écrit dessus. C'est déposé pendant dans le casier de l'enfant pendant les cours. Donc, personne ne voit que la personne, cet enfant-là, il n'est pas capable de manger trois repas. C'est vraiment quelque chose qui est bien fait. Puis, ce qu'on demandait, nous autres, c'était un don. Parce que pour ramasser de l'argent, ça, c'est, il n'y a aucune subvention gouvernementale, c'est uniquement des dons qu'ils vont ramasser. Puis, ils disent que pour nourrir un enfant, c'est environ 1 000 par année. Avec ce qu'ils vont chercher en rabais pendant un temps, ça revient environ à 750 $. Donc, un tournoi de golf qui est organisé pour ramasser des fonds, c'est 125 $ par inscription. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire un don de 500 $ pour comme si on y allait à quatre, mais il n'y a personne de nous autres qui va aller jouer. Il y a un 50 $ qui va être donné parce que moi, je ne joue pas au golf, mais je vais aller souper, ça va payer le souper pour le maire à cette occasion-là. Je repasse à un proposeur. Je propose. Monsieur Lavallée, secondé par Monsieur Paradis. Collecte de pneus au point 8. Collecte de pneus, ce n'était pas prévu cette année. On avait dit qu'on n'en ferait pas parce qu'on l'a fait il y a 2 ans, je crois. À peu près. Il faut croire qu'il y avait un besoin, qu'il y avait clairement un besoin. Il y a des gens qui sont allés porter des pneus, donc on a décidé de le faire officiellement. Puis probablement qu'on va le faire aux 2 ans pour éviter justement que peut-être que des pneus se ramassent dans les fossettes ou un peu partout. Là. On se rend compte que les gens en avaient besoin. Donc, on va faire ça pour cette année. Ça va être jusqu'au 1er août. C'est bien ça? Oui. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Lalonde, secondé par Monsieur Bellil. Point 9, réclamation de vandalisme de 2021. Ça nous avait coûté 4 560 $ en dégâts. On est déductible de 2 500. C'est bien ça, Mme Lemire? Oui, c'est en plein ça. Puis le 2 500... Je pense que c'est bon. Le 2500, il était de déductible à payer. Il n'était pas prévu au budget, donc on affecterait le surplus du 2500. La balance est payée par les assurances. Je passe à un proposeur là-dessus. M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Point 10, autorisation de signature, demande de servitude pour lot 5 983 057. Ça, c'est un lot sur une maison sur la rue Marcotte. C'est bien ça. Il demande une servitude de la municipalité pour passer l'électricité. Tout à fait. Donc, on vient juste l'autoriser. Autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité. Proposé par M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 11. Demande de dérogation de bruit loisirs air soleil. Ce qu'on avait finalement, c'est pour le 24 juin. Pour une autorisation de faire du bruit jusqu'à 23 heures. Officiellement, ce n'est pas une chose qu'on a besoin d'adopter parce que c'est permis dans ces périodes-là, de 14 heures à 23 heures. S'il excédait 23 heures, là, il y aurait vraiment besoin d'une autorisation. Mais comme c'est là, ils n'en ont pas besoin. On va quand même passer une résolution parce qu'on a eu la demande, puis c'est correct. Peut-être que cette soirée-là, ça va faire plus de bruit qu'à l'habitude, là, mais on va l'autoriser. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Paradis, secondé par... Monsieur Lavallée. Point 12. Mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à pelouse. En fait, ce qu'ils demandent, c'est d'encourager les citoyens à retirer leur herbe à pelouse. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Et ça va être juste un dépôt? Non, ça prend un proposal parce qu'on va faire des publications sur le site web et sur Facebook, les différents médias. Ça ne nous engage à rien à part le publiciser puis inciter les citoyens à arracher leur herbe à pelouse. Besoin d'un proposeur. Mme Couture, secondée par M. Lalonde. Point 13. Politique de remboursement des dépenses et kilométrage, modification du taux. À la municipalité, les employés qui ont besoin de leur véhicule, c'est pas chose courante, mais ça arrive. C'est 42 cents du kilomètre qu'on payait. Vous comprendrez que c'est un petit peu archaïque vu le prix de l'essence. Mais on s'est basé sur ce qui se fait dans la MRC. Donc, présentement, dans la MRC, là, c'est pas mal une moyenne de 53 sous 10 km. On veut le majorer à 53 sous. Ils sont en réévaluation, mais nous, on trouvait qu'on avait déjà une bonne marche à franchir. Donc, on va l'adopter à 53 sous 10 km. Proposeur, M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Point 14, sécurité incendie, c'est la demande d'achat pour juin. Préparation du point d'eau, poteau et glissière, au montant de 200 $.
Les accroches-portes 1000 pour la prévention incendie et l'infographie, ça coûte 1283 $. Pour un total de 1483 $. J'aurai besoin d'un proposeur, M. Bellil, secondé par M. Paradis. Point 15, rapport annuel de l'an 9. Je vais vous laisser aller, Mme Lemire, avec ça. En fait, on est lié par un schéma de couverture de risque qui est géré par la MRC. On a un plan de mise en œuvre à faire avec le schéma de couverture de risque et à chaque année, on doit faire état du plan de mise en œuvre annuellement. Donc, c'est le dépôt pour l'année 9. On doit en faire l'adoption pour que la MRC puisse l'envoyer au ministère de la Sécurité publique. Donc, j'ai besoin d'un proposeur là-dessus. Monsieur Lalonde, secondé par Mme Couture. Est-ce que quelqu'un signe le rapport? En fait, il est transmis par le directeur du service incendie, puis nous, on le remet à la MRC. Parfait. Voirie 16. Remplacement des poteaux de glissière de sécurité. Il y en a dans le premier rang, chemin du Roi, sur le viaduc de la route McGivney, pour un total de 57 poteaux. Ça va être fait par l'entreprise Croyard 2000 Incorporée. C'est au montant de 4215 $ pour le remplacement de l'ensemble des poteaux. J'ai besoin d'un proposeur. M. Drouin, secondé par M. Paradis. Point 17, remplacement du ponceau du 6e rang. Il y a un ponceau qui est à changer. Ça va être fait par Excavation Hiergeau. Et le montant est évalué à 1816 $ plus les taxes. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par M. Bellil. Point 18, nettoyage des fossés dans le 6e rang. C'est Excavation Hiergeau qui va faire ça au montant de 1848 $ plus les taxes. Proposeur, M. Drouin, secondé par M. Paradis. Point 19, débroussaillage 2022. Il y a l'entreprise Peu Bélanger pour le débroussaillage des bords de route pour le montant de 105 $ de l'heure. On prévoit environ une centaine d'heures, donc un 10 500 $. On prévoit aussi faire l'élagage ornemental situé sur les rues Brousseau, Ernest et Martel. Ça va être effectué parce qu'il nuise à la signalisation, à la circulation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir aux gens, s'ils veulent le faire eux-mêmes, sinon, bien, c'est la municipalité qui va le faire. Par les années passées, on a eu une compagnie qui faisait pas dans la dentelle. On a changé de compagnie en espérant que cette année, ça soit mieux et qu'on ait moins de plaintes des citoyens. Que ça soit fait à la satisfaction de tout le monde. Et cette deuxième partie-là, c'est pour une valeur d'environ 1 540 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour ces deux dépenses-là. M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Point 20, l'installation du radio dans la niveleuse. On a une nouvelle niveleuse. Il faut changer le CB qui était dans l'autre et le mettre dans celui-là. Ça coûte 232 $ plus environ 4 heures de temps, un taux horaire de 99 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire là-dessus. M. Bellil, secondé par M. Drouin. Point 22, rapiéçage mécanisé 2022. Point 21, nettoyage sous les glissières. Oui, je sais, mon micro s'éteint tout le temps. Point 21, je recommence. Nettoyage sous les glissières du premier rang. C'est Transport G. Lucie, au taux horaire de 140 $ qui va faire ça. On prévoit environ 10 heures aussi pour un total de 1 400 $. Je passe à un proposeur et un secondaire. M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Le point 22, finalement, rapiéçage mécanisé 2022. Il y a du rapiéçage mécanisé qui va se faire sur la route Boisvert, Gagnon, Croyard et la rue principale. McGivney. Oui, c'est la phase 2. Oui, j'ai McGivney aussi. Ça va être Vallière Asphalte qui va faire ça en deux phases. Une, ça va être un 120 tonnes et la deuxième phase qui va être au mois d'août sur McGivney avec 180 tonnes. Pour un montant total d'environ 48 000 $. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 23, remplacement du ponceau route Boisvert.
Il y a un ponceau qui est à remplacer. Ça va être Excavation Hiergeau qui va faire ça. Et le montant est évalué à 1970 $. C'est juste après la butte, me semble. Oui, juste avant la butte. J'ai besoin d'un proposeur. M. Bellil, secondé par M. Drouin. Point 24. La Bas-Poussière 2022, on a une surcharge en carburant. La compagnie Somavrac nous a demandé une augmentation, de payer une augmentation de 10 %. On a essayé de négocier à 5 %, ça n'a pas fonctionné. Finalement, l'entente, ça va être 7 % d'augmentation. Par contre, si on décidait de ne plus aller avec eux autres, le deuxième soumissionnaire le plus bas, il était déjà à 20 % de plus haut que cette compagnie-là, puis probablement qu'il aurait majoré son prix aussi. Donc, on accepte de payer le 7 % pour que ça se fasse, parce qu'on avait peur aussi, c'est les délais qui avancent, le temps qui avance. Il ne faut pas trop attendre, il faut étendre la Bas-Poussière. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 25, PAVL, autorisation de signature pour la convention d'aide financière. Ça, c'est dans le cadre de l'aide financière à la voirie. Volet entretien des routes locales pour un octroi d'une aide financière de 410 732 pour 2022. Dans le fond, ça nous donne l'autorisation de signer à moi, Mme Lemire. C'est bien ça. Hein? J'ai besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Point 26. Recommandation au CPTAQ pour le lot 5 981 080 et le lot 5 983 057. Ça, dans la demande de dérogation, pas de dérogation, mais de servitude qu'on avait sur l'autre terrain tout à l'heure, on vient confirmer au CPTAQ que c'est conforme à nos règlements. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 27. Aménagement du branchement du camion de crème glacée. Vous vous rappelez, l'année passée, il y avait Jean-Épin Cornet qui venait avec son trailer qui s'installait ici. Malheureusement, ils ne peuvent plus s'installer là parce que la maison appartient pas à leur famille. On était intéressés à les revoir. Ce que ça leur prenait, je les ai contactés, ce que ça leur prenait, c'est du courant 220 volts, comme une prise de poêle. Ce qu'on va faire installer, la fabrique est d'accord avec nous, on va le faire installer à l'église. La prise, elle va être juste sur le coin. C'est un montant de 1 700 $, mais on trouvait que c'était intéressant d'offrir ça aux citoyens parce que je pense que ceux qui ont goûté ont tous aimé la crème glacée. Puis eux sont contents de revenir au même endroit. Par contre, on n'a pas de garantie qu'ils vont venir ici à toutes les semaines. Ça ne sera pas comme avant parce que c'est des gens de Saint-Cyril, mais ils vont venir faire un tour de temps en temps. Il y a déjà une sortie qui est prévue avec l'école le 20 juin, puis ils aimeraient s'être installés ici pour le 20 juin. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, proposé par Mike Drouin, secondé par M. Lavallée. Petit marché enseigne au point 28. On veut faire installer une enseigne en Coroplace au montant de 100 $. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Point 29, regroupement des dépenses du petit marché. Je pense que je vais vous laisser l'expliquer celui-là, Mme Lemire. En fait, je demande d'ouvrir un compte de grand livre exprès pour les dépenses du petit marché pour pas que ces dépenses-là se perdent à travers les dépenses des loisirs. Ça va être plus clair par la suite et pour prévoir un budget futur dans les autres années. Ça serait donc le compte 02-702-90-529. On a plusieurs dépenses jusqu'à maintenant cette année qui étaient non prévues, dont les abris temporaires, les tables, les toilettes chimiques et enseignes. Et également, il nous a été demandé de rendre disponible un montant de 500 $ pour les dépenses qui pourraient arriver en cours d'été au lieu de toujours demander une autorisation. Donc, ces dépenses-là seraient regroupées dans un seul compte de grand livre et je demande d'affecter le surplus non affecté pour ces dépenses qui étaient non prévues au budget. Proposé par M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 30, remerciements aux bénévoles. Comme vous le savez, avant la pandémie, je ne voudrais pas dire ce mot-là, ça porte malheur, là, mais avant ce qui est arrivé, tous les mois de décembre, il y avait un souper des bénévoles qui était fait à la Maison de la culture, qu'on remerciait les bénévoles qui ont collaboré dans divers organismes. C'est notre façon à nous de les remercier. C'était Raymond qui faisait un buffet, qui venait offrir ça. C'était une belle soirée complètement gratuite pour nos bénévoles. Ça fait 2 ans qu'on ne le fait pas. On avait prévu peut-être le faire au mois d'avril cette année, à l'occasion de la semaine des bénévoles. Finalement, dans notre horaire, ça ne fonctionne pas bien. On est trop dans le jus au bureau municipal pour préparer ça. La coordonnatrice aux loisirs est dans les préparations du camp de jour qui s'en vient.
Ça fait que ce qu'on a choisi pour remercier nos bénévoles cette année, c'est d'offrir un coupon rabais de 10 $ échangeable au petit marché, que la municipalité va rembourser aux marchands du petit marché. Ça fait que ça va être un petit plus qu'on va leur donner cette année. C'est une dépense d'environ 1 000 $. Par contre, on va quand même garder cet automne, au mois de décembre, si tout continue de bien aller, notre souper des bénévoles. Là, on fait comme récupérer les deux dernières années qu'on n'avait rien fait pour nos bénévoles, qui étaient encore plus dans l'ombre, puis moins d'activité. Donc, c'était un petit peu moins intéressant. Donc, c'est ça qu'on veut leur offrir pour cette année. Ça serait effectif, là. Tu peux-tu me le montrer? Là, je le vois sur... Ça va ressembler à ça, le coupon, mais en plus petit, là, qui va être gardable dans une poche. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour ça. Monsieur Bélil, secondé par... C'est dit, ça? Oui, ça, c'est dit. Monsieur Lalonde. Parcours historique au point 31. Il y a le parcours historique qui va avoir... Il va y avoir 17 panneaux relatant l'histoire de la municipalité à divers endroits de la municipalité. Les textes et photos sont remis par Mme Marielle Fafard de Mémoire d'un village. Le coût des enseignes, des 17 panneaux, c'est Enseigne l'avenir qui va les faire, ça coûte 1 680 $. L'achat des poteaux et de la quincaillerie pour l'installation avec, ça va être pris chez Martec, ça coûte 1 975 $. Donc, pour un montant total de 3 655 $. Il est résolu aussi que les textes, recherches et photos remis par Mémoire du village soient l'usage exclusif des panneaux du parcours historique. Donc, on remercie Mme Fafard pour son travail là-dedans. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour le parcours historique. Proposé par M. Lalonde, secondé par Mme Couture. Point 32. Aide financière à l'Église. Il y a une rencontre avec M. Caillé. L'Église, le béton s'effrite. Il regarde pour faire les réparations, il faut faire une estimée rapide à 7 500 $. La fabrique n'a pas d'argent, donc ce qu'on a pensé faire, c'est leur proposer de faire une campagne de financement. Je ne sais pas quelle tournure prendra leur campagne de financement, mais la municipalité est prête à égaler tout financement qu'ils vont aller chercher jusqu'à la concurrence de 5 000 $. Je m'explique, je sens que je ne suis pas clair, là. C'est que si dans leur activité de financement, ils ramassent 100 $, on va donner 100 $. S'ils ramassent 200 $, on va donner 200. S'ils en ramassent 4 000, on va donner 4 000. Donc, chaque dollar qu'ils vont aller chercher, on va l'égaler de l'autre côté. Donc, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être motivant pour eux autres d'aller chercher des fonds. Puis nous autres, on va aller égaler ça. Puis le maximum qu'on veut atteindre, qu'on va donner, c'est jusqu'à 5 000, un montant maximum de 5 000 $. Est-ce que je suis clair dans mon explication? OK, merci. Merci de votre compréhension. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Point 33, correspondance. Point 34, période de questions. Madame Fafard. La question s'adresse à M. Lavalle, si c'est possible. Oui, pouvez-vous parler fort, par exemple? Non, il n'y a pas été question aux dernières réunions, ils n'en ont pas parlé du tout. OK, merci beaucoup. Par contre, je veux juste éclairer la question. Aux 2 ans, on reçoit une ristourne. Donc, ils sont pas financièrement, ça va très bien à la Régie des déchets. Donc, souvent, peut-être au lieu de donner une ristourne, ils vont peut-être pas majorer autant les frais de l'année suivante. Autre question? Madame Parato. À la dernière réunion, j'avais demandé à savoir quand est-ce que la vie fiscale des loisirs s'établit et quand est-ce que l'âge de l'ours serait. Je devais recevoir la réponse, je ne l'ai toujours pas eue. Donc, je réitère ma question. Je ne sais pas s'il y en avait une date déterminée. Je sais que ça a été retardé parce qu'on a eu la venue d'une nouvelle coordonnatrice, puis ça redécolle un petit peu plus tard après Noël. En fait, après renseignement, l'année se termine au 31 décembre. La GA devrait avoir lieu en avril habituellement. Là, la difficulté qu'on a eue, c'est la nouvelle coordonnatrice qui est arrivée en poste, puis le télétravail. Donc, les papiers n'ont pas vraiment tout suivi. Donc, ils sont à rapatrier tout ça, puis on devrait avoir une annonce sous peu pour l'Assemblée générale annuelle là, des loisirs. Mais on reconnaît qu'on a du retard là-dedans. Mais ça va se faire. Autre question? Madame Charpentier? Moi, je voudrais
La caserne incendiée est à combien de kilomètres? Et c'est là qu'ils vont juger le taux à risque. Moi, je suis chasseur. Mon commerce est collé sur la caserne de Montréal. On se connaît tous, on est intimidés. Je sais que ça a déjà été parlé dans le passé que l'avenir fasse des associations avec les cadres durables, qui est des voisins proches, pour avoir une meilleure couverture, puis en cas de gros incendie, d'avoir la masse d'homme possible à éteindre. La force de frappe. Y a-t-il des développements dans ça? Présentement, on a deux propositions. On a une proposition de regroupement des municipalités avec WICAM, Lefebvre et Durham-Sud pour s'associer, pour avoir une plus grosse force de frappe. Surtout, nous autres, la lacune, c'est le jour. On a aussi sur la table une offre de Drummondville qui ont besoin de portes pour développer, pour avoir la subvention, pour avoir leur nouvelle caserne à Saint-Nicéphore. Présentement, on est en train d'analyser les pour et les contre de ces offres-là. Et justement, une question qu'on est en train de poser à la Fédération des municipalités, c'est la question que vous avez mentionnée, Mme Charpentier. Au niveau de la couverture, qu'est-ce que ça va coûter si, admettons, on n'a plus de caserne ici, si on fait affaire avec Drummondville? À quoi ça va revenir aux citoyens? Si dans l'éventualité où on va là, on pensait garder un camion ici, mais on n'a pas encore fait de choix. On est dans l'analyse, on est dans notre cueillette d'informations des deux possibilités. Je veux juste vous dire que dans l'analyse, on analyse les coûts, on analyse aussi la sécurité du public. C'est bien important d'avoir l'équipement, d'être à jour. Donc, il y a tout ça qui pèse dans la balance. Puis comme je vous dis, on n'est pas dans la décision encore, on est dans la cueillette d'informations. C'est un gros dossier. La question est bonne. La municipalité de Romain, nous autres, ils regardaient ça pour débuter en janvier, si on allait avec eux autres. On a eu une rencontre avec les pompiers la semaine passée, avec, comme je disais, le regroupement de WICAM, Durham-Sud et Lefebvre et nous. Ça fait que, présentement, tout est sur la table. Et c'est à nous autres d'analyser ça. Oui, madame? Nous, on demeure au camping. S'il y a un feu chez nous, ça veut-tu dire que c'est Saint-Nicéphore qui va venir éteindre le feu chez nous? Présentement, non, c'est nous autres, oui, notre équipe de pompiers. Oui, mais s'il y a une entente avec Drummondville? Ça serait ça. Ça fait moins un temps. La différence, c'est que les pompiers sont là en permanence. Il y a un calcul qui est fait, là, il y a comme une espèce de cercle qu'ils font avec les délais là, à chaque endroit. Là. Puis il faut qu'ils s'assurent de respecter ces délais-là pour chaque endroit. Mais ça va nous causer aussi une augmentation d'assurance maison parce qu'on va être à plus 8 kilomètres. C'est effectivement un risque. C'est ça que je vous disais qu'on est en train d'analyser. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui comme coût? C'est tous les citoyens de l'avenir. C'est moi aussi, je vais payer plus cher. Là. Si c'est ça. Mais parce que aussi, les autres, les compagnies d'assurance, comment ils vont analyser ça? Si on va, mettons, avec Drummondville, qui ont leurs pompiers qui sont là en permanence, versus des pompiers volontaires, c'est-tu mieux pour eux autres? Je ne sais pas. On n'a pas de réponse encore. Madame Fafard. Par curiosité, pour une meilleure compréhension, qui siège le temps de vous rencontrer et de discuter? Qui est présent, mettons, quand vous êtes avec... Pour ces discussions-là avec les pompiers, vous parlez? Avec les discussions pour les pompiers? Oui. C'est moi et Madame Lemire. Et les autres municipalités sont avec leur maire et leur DG. OK.
Directeur incendie aussi, excusez-moi. Le directeur incendie de la ville aussi. De chacune des municipalités présentes. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Nous autres, le directeur de l'incendie, c'est M. Gilles Pérus. On n'a pas prévu rencontrer la population. Ça va dépendre de ce qui se fait. Je vous dirais, mettons, l'exemple qu'on a, chose sûre, c'est qu'on va rencontrer nos pompiers. Si, advenant le cas, de ce que je sens que tous les gens craignent, qu'on va avec Drummondville, là, on va s'assurer de donner une soirée d'information avec des vraies réponses, avec les personnes qui s'occupent du dossier. Sinon, ben, on n'aura pas besoin de faire ça. Oui? On n'a pas prévu de faire de séance de consultation. Est-ce que ça voudrait un référendum? Oui, c'est ma question. On n'a pas compris la question. Ça voudrait un référendum. Mm-hmm. Ça pourrait être demandé, puis ça pourrait être donné aussi. Si les citoyens le demandent. On va le demander. Cette nuit, j'avais dit à regarder, ça me choque. Sur la page Facebook, la page, non, page web. Ça se peut. Pas du tout. Mais elle est pour bien gérer, par exemple. Oui. Bien, ça, c'est accessible, mais j'ai pas de problème. On parlait de transparence, j'ai pas de problème parce que chaque citoyen y a accès. Il y a moyen d'y avoir accès pour la personne qui s'intéresse, mais j'ai pas prévu qu'on fasse des envois à chaque citoyen pour ça. Je suis pas certain que c'est une dépense de papier utile. Là. Si tout le monde dit qu'il en veut, on le fera parce que c'est de la transparence, c'est votre argent, des dépenses puis des entrées. Je sais où vous voulez en venir, mais l'interrogation, nous, ce qu'on craignait, c'est que ça suscite plus de questions que de réponses. Et si ça d'où? Ça, c'est parce qu'il y a un problème de communication. C'est simplement de poser des questions. Je pose plus de questions. Si je parle, vous me dites de parler. D'autres questions. Monsieur? Dans le cas où Il y a des règles sur les référendums, honnêtement, je ne connais pas exactement. Là. Je sais qu'il y a des coûts aussi reliés à ça. Puis j'avais même entendu parler d'un nouveau logiciel qui pourrait peut-être faire ça à moindre coût, qui pourrait peut-être être intéressant. Justement, on regarde ça pour un logiciel qui pourrait faire ça. On fait tout le temps de la signalisation. Mais... Attendez un instant. On fait les lignes. On en refait toujours un peu, mais je n'ai pas prévu qu'on fasse un grand bout. C'est quand on fait un bout d'asphalte. Oui. Est-ce que vous avez une demande à un point particulier? Bien, je mets un ordre. Il n'y a pas de ligne blanche chez côté. Dans la section, vous parlez de la section de l'avenir? À partir de l'avenir, ensemble. OK. À partir de Saint-Séphore, là. L'hiver, c'est une ligne blanche très importante de ces côtés. Effectivement, il faut que ça devienne vite. Madame Charland. Nous, on a envoyé une demande, dans le fond, concernant l'accès à la petite cave, la toilette,
Effectivement, on avait tranché sur le point. Finalement, il y a des questions qui ont été soulevées. On avait beaucoup de questions reliées à la sécurité. Ce qu'on avait peur, c'est que ça, il y a les piétons qui empruntent ça, les cyclistes. Ce qu'on avait peur, c'est qu'il arrive des accidents. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous aider, nous éclairer sur votre façon de procéder. Parce qu'on sait que vous avez déjà eu l'autorisation quelquefois. Moi, je n'ai pas vu qu'est-ce que ça donnait. Mais de mémoire, quand vous venez, vous stationnez à l'école, vous ne traversez pas? Oui. Mais c'est qu'on traversait à pied, on allait manger une crème glacée. OK. Donc, on avait des gens qui regardaient la sécurité de tout le monde. Puis quand vous fonctionnez comme ça, est-ce que vous êtes toujours un convoi? Oui. Parce que je prends l'exemple là, de la demande qu'il y a pour le petit marché. C'est probablement qu'il y a des gens qui vont partir plus tôt. Comment vous prévoyez ça? Effectivement, parce que quand on a une demande, bien, c'est d'analyser au plus que suivant. Je vous le dis, là, on a une discussion aujourd'hui, vous savez, c'est moi qui l'ai fait aujourd'hui parce que là, il y avait trop de questions qui se posaient. Vous nous l'expliquez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des conseillers qui ont des questions à madame? Thank you.
Bon, les voiturettes de golf, c'est fait pour aller sur un golf, c'est parce que ça brise pas. Mais pardon? Non. C'est parce que on s'est rencontrés jeudi, on a eu une entente, puis en fin de semaine, il y a d'autres questions qui ont ressorti au niveau de la sécurité. Donc, j'ai préféré de laisser tomber ce point-là. J'ai entendu ce que vous dites. J'ai entendu votre demande. Bien, c'est pour ça que je demande aux gens s'ils ont des questions. Autant les gens que tous les conseillers. Julien, paradis. Pour ma part, c'était plus ce côté que c'est une piste cyclable. Je comprends votre point que c'est pas nécessairement le pauvre là en fou et que vous faites un convoi. Ça demeure, comme je mentionnais un peu aux collègues, là, c'est, ça, il y a quand même des organisations qui travaillent à faire des pistes cyclables pour les vélos. C'est pas pour rien, c'est pour qu'ils ne soient pas sur la route. Je peux vous en parler parce que les campus ici, on est quand même plusieurs. Plusieurs ont pas vous le mentionner. Au camping, on sait c'est quoi une piste cyclable parce que Je comprends ce que vous dites, puis je comprends votre frustration. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on avait chacun notre idée, puis bien, en parlant ensemble, bien, là, il y a pas peu des inquiétudes. C'est juste pour ça que c'est arrivé à la dernière minute comme ça. On n'avait pas des questions avant. C'est en jasant qu'on a soulevé des questions. Monsieur, vous avez la main levée. Avec vous sur quelque chose, le monde attire le monde. Là. Moi, j'avais un mot à dire par rapport à la piste cyclable.
En 2007, quand j'ai été élu conseiller municipal, en 2007, 2008, 2009, 2010, avec M. Ball, avec M. Parenteau, on a travaillé très fort pour avoir une piste cyclable. L'objectif premier de la piste cyclable, c'est d'inciter les jeunes à faire l'exercice, la bicyclette, la marche, la course à pied, tout ça. Donc, c'était ça le but premier de la piste cyclable. C'était pas prévu une piste pour aller en kart. Mais c'est sûr que les temps changent. On n'est plus en 2007, on est en 2022. Je propose une modification. Pardon? Oui, c'est sûr que les temps changent, mais le but initial, quand on a parti ça, parce que c'était compliqué. On était à ce moment-là un conseil qui était divisé. Il y a une partie qui n'en voulait pas de piste cyclable, puis on était trois qui travaillaient fort pour l'avoir, puis ça a été difficile de négocier avec tous les propriétaires terriens. Le trajet a changé trois fois. J'étais là au moment des négociations, puis il va pas être terrien. Souvent, les propriétaires terriens disaient oui, on vous laisse du terrain, puis là, quand c'était chez le notaire, là, il ne voulait plus, puis il a fallu changer de trajet trois fois. Donc, ça a été toute une aventure, cette piste cyclable-là. On est super contents d'avoir la piste cyclable. Dans les dernières années de la piste cyclable, il y a M. Prince qui s'est joint à ça. Il a fait beaucoup de travail. On reconnaît M. Prince. D'ailleurs, c'est moi qui ai trouvé le nom, là, le truc à M. Prince. Le Prince. C'est moi qui avais trouvé le nom. Parce que je trouvais qu'il avait trouvé, tu sais, il avait fait beaucoup d'ouvrages, puis il l'entretenait, puis c'était un petit peu le gardien de la piste cyclable, puis il s'assurait que l'hiver, il n'y avait pas de gens qui faisait des skidoux, des choses-là, donc il a fait beaucoup de temps. Mais ça serait la prochaine chance qu'au prochain caucus, là, on pourrait prendre J'ai peut-être une suggestion. Quand ça nous a été arrivé jeudi, on n'a pas eu le temps de vous appeler, d'en veiller, de dire c'est quoi vos questions, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'était pas capable d'arriver ce soir qu'une décision. Il y a madame, merci de votre patience. Je me rappelle ce que je vous ai dit. Qui m'avait proposé, quand je propose au camping, des tournées des 5 à 7 à un village, quelques fois par année. On ne demande pas d'être là tous les jours. On ne demande pas d'avoir des cartes tous les jours sur la piscine. Moi, personnellement, l'hiver, je suis la police, comme Suzy peut le savoir, des trous, des bris, du pont qui n'est pas trop solide à certains endroits. Fait que je pense qu'on demande à vous tous, monsieur le conseiller, madame la conseillère, c'est de nous donner une possibilité. On ne peut pas abuser de la bicyclette. Je ne pense pas que c'est parce qu'on fait trois rides dans l'année qu'on va briser la bicyclette. Je comprends, monsieur Paradis, c'est ça, que le principal d'une bicyclette, c'est une bicyclette. Nous, on marche aussi beaucoup l'hiver. On ne va pas en bicycle. Puis, on fait. Je pense que les gens du camping, je ne suis pas la seule, on fait souvent ça en gang. On est plus souvent sur la piste cyclable, sans me tromper, que les gens de la municipalité. Presque. Je pense que le camping a une très bonne porte-parole. Je vous ai entendu, je vous ai écouté. Je comprends aussi l'urgence. J'aime pas m'enfarger dans trop de bureaucratie et dans des choses comme ça, parce que si on veut que ça avance, il faut bouger vite. Ce que je demanderais, c'est est-ce qu'il y a un conseiller qui serait prêt à ajouter ce point-là lors du jour? Un conseiller, monsieur. Moi, je propose quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est qu'à la fin de la réunion, qu'on se fasse un petit caucus, puis qu'est-ce qui va se décider? Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'à la fin de la réunion, on se fasse un petit caucus à l'interne ici, puis on prenne notre décision là-dessus, puis à la prochaine réunion, ben, on pourra l'annoncer qu'est-ce qu'on va voter au prochain caucus. Non, c'est sûr qu'on va attendre, puis vous allez pouvoir voter dessus. Moi, je suis un peu d'accord avec Mme Charpentier, qui avait dit qu'il ne parlerait plus, mais qui a parlé quand même, mais je suis d'accord avec elle. On pourrait se prendre un petit 5 minutes. Êtes-vous d'accord de nous attendre tout le monde? Hey, on fait des choses nouvelles à ce moment-là, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas se coucher trop tard. Madame Marthe. Pour continuer, j'aurais besoin qu'un conseiller propose un point à ajouter à l'ordre du jour pour l'autorisation des golf carts dans le Varia. Je propose le point. Proposé par M. Pierre Lavallée, secondé par M. Bellil. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu vous exprimer ce soir de la façon dont vous l'avez fait. On a bien compris votre message.
On a discuté ensemble aujourd'hui, puis vous m'avez éclairé sur beaucoup de choses. Vous comprendrez qu'on a eu une argumentation, on avait des interrogations, puis on s'est juste dit on va attendre, puis finalement, on a pris une décision. Ce qu'on vous demanderait, évidemment, on vous donnerait l'autorisation pour 4 jours dans l'année, dans l'été. Je sais que vous ne pouvez pas me confirmer les dates parce que ça va jouer avec la température. Ça, on pourrait s'en discuter. Ce qu'on donne, c'est l'autorisation pour 4 laissez-passer. Par contre, ce qu'on demanderait, c'est, on avait discuté d'ailleurs aujourd'hui aussi, c'est d'ajouter la journée que vous allez faire l'événement, mettre une pancarte, un coroplace à la sortie de l'école, là, dans la cour d'école, et l'autre côté qui va expliquer les heures à lesquelles il va y avoir de la circulation en quart de golf. Il ne faut pas que quelqu'un qui arrive rapidement frappe un quart de golf. Ce qu'on veut, c'est la sécurité. Vous savez, moi, je n'avais parlé là, des quarts de golf. Je trouvais que c'était une bonne idée d'amener du monde parce que le monde attire le monde. Je le dis souvent, je me répète. Là. Mais il y a l'aspect sécurité que je me suis fait sortir puis j'étais comme un petit peu là, plus sur les breaks. Donc, merci d'être venu nous l'expliquer à soir de la façon dont vous l'avez fait. Je pense que c'est la première fois qu'on fait ça, interrompre, aller prendre une décision puis revenir. Là. Mais je pense que c'est de même qu'on avance. Je pense qu'on est un petit village. Il ne faut pas s'enfarger toujours des fleurs du tapis si on veut avancer. Moi, ça ne me tente pas qu'on roule les trottoirs. Moi, j'aime ça un village vivant. Je voudrais pas qu'on roule les trottoirs à 5 heures parce que c'est fini. Là. Le petit marché, j'aime ça parce que c'est rassembleur. Ça vient rejoindre ma personnalité. J'aime ça un point central où les gens vont là. C'est le fun échangé. On a des gens conviviaux. L'ambiance est excellente. Donc, Et c'est bon. Puis là, on va ajouter la crème glacée. Le petit marché, c'est le petit. Une autre chose? Juste qu'on va proposer puis l'adopter, à moins que vous voulez qu'on arrête. Là. J'aurais besoin d'un proposeur pour ce point-là, autorisé 4 fois. M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Oui, dans les questions, monsieur? Oui. Nous avons des nouvelles comme la rente de mise à l'eau. Oui. Ça fait 2 ans que je veux être budgété. À date, la seule affaire que j'ai vue, il y a la Lalonde. C'est un blanc évident qui a eu le changement. C'est tout. À vous, l'idée de. Qu'est-ce que vous voulez dire? La rente de mise à l'eau. Oui. Bien, je le sais, j'y vais régulièrement. C'est le premier rang. Vous parlez de celle du premier rang ou la chapelle? Le parking, vous parlez de celle du premier rang. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'environnement qui nous limite beaucoup. Puis il y en a des gens qui nous demandaient comment c'est qu'on l'avait fait passer par là, de cette façon-là, et donner un angle. On avait zéro pouvoir de décision là-dedans. Là, ce qu'on regarderait, c'est peut-être une permission de l'autre côté de la rue. Je ne sais pas c'est qui le propriétaire. Je sais que quand le Jardin des Lumières avait beaucoup de gens, ça se stationnait de l'autre côté. Mais c'est des choses qu'on veut regarder. J'ai vu, moi, sur le plan, votre plan qui était approuvé pour l'environnement. Il y avait une virée. Bien, la virée est là, mais pas grosse. Il n'y a pas de virée. Ou il y en a une. Non. C'était rare, virée là, avec un château. Bien, ça, c'est une place pour se tourner selon l'environnement. Ça ne se tourne pas avec un trailer et une chaloupe, je suis d'accord avec vous. Votre plan que vous avez, que j'ai été voir à l'université, vous avez une virée dessus. Que vous rentrez, vous tournez. Là, si vous reculez, dans le temps, M. Parenteau, il avait dit on va remplir le fossé, on va parquer là. Mais du coup, vous êtes parqué dans le premier rang, tu vas virer sur le producteur, sur le propriétaire qui est là. Il faut que tu te tournes de reculer là encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de terrain non plus qu'on peut employer dans la descente. Puis comme je vous disais, l'environnement, pour eux autres, on se vire là-dedans. Vous puis moi, on le sait que c'est pas vrai qu'on se vire là. Pardon? Vous n'avez un plan de fait? C'était peut-être le plan initial. Oui, il est fait puis il a été respecté? Non, il n'est pas fait. Il n'est pas complété. Mandat, M. Lavallée. Je sais que l'année passée, en novembre, on a jeté des sous pour le faire agrandir. Le stationnement. Mais on n'a pas travaillé là-dessus encore. Vous n'avez pas l'idée de faire de quoi avec ça? Bien, je n'avais pas prévu faire de modification. J'avais l'intention de trouver du stationnement. Pourquoi vous budgétez ça 2 ans? Pour le stationnement. Non, pas pour c'est seulement qu'à l'automne qu'on est au budget pour 2022, mais pas l'année d'avant. Excusez, une personne à la fois. Puis en passant, le bébé est bac noir, de mieux changer de couleur, parce qu'il y a des canettes. Oui, absolument, un bac à canettes, ils vont mettre des vidanges dedans. D'autres questions? Oui, madame. Quand vous allez discuter des pompiers, là, est-ce que vous allez faire avec vous, OK, mais c'est tous les conseillers de pompiers? Non, il y a un conseiller qui est pompier qui ne pourra pas être là. Pour ça, je ne m'interroge pas, parce que
je comprends votre malaise. Au niveau de l'éthique, on ne peut pas. Vous regardez, quand on prend des décisions juste sur les petites dépenses des pompiers, Mike se retire, tout le monde l'a remarqué. Là. C'est comme ça. Oui, Mike est là. Sauf quand on discute des pompiers de la caserne, là, de l'éventualité d'une fusion, il n'est pas là. Ça crée un problème au niveau des décisions. Des décisions, on ne peut pas l'impliquer dans les décisions. Ben, je pense qu'au niveau de l'éthique, on a eu une formation sur l'éthique et il n'y avait pas de voix. Je donne la réponse que j'ai eue. Moi, je l'ai appelé aujourd'hui. Vous avez appelé où? Puis moi, je me suis fait dire le contraire. Mais moi, je vous dis, j'ai appris des conseils. Je vais refaire mes devoirs, mais c'est la réponse que j'avais eue. Puis, Mike, je l'aime bien. Là. J'ai pas mis dehors parce que ça me le tentait. Là. C'est une question d'éthique. Comme j'avais déjà posé la question à Sudi, c'est un peu la même chose que d'autres personnes à la table qui siègent sur les comités d'administration sur d'autres choses que juste parce qu'ils ne sont pas rémunérés. C'est vrai que quand on fait ce parallèle-là, c'est un peu bizarre parce qu'on laisse la parole à ces gens-là parce qu'on se dit tout le temps que c'est les mieux informés. Oui. Mais là, c'est une grosse décision. On s'est fait dire qu'éthiquement parlant, on ne pouvait pas le garder avec nous. C'est pas notre choix, là. En tout cas, moi, vraiment, la dame qui s'occupe du Centre du Québec, m'a vraiment dit que c'est sûr que pendant le caucus, non, parce qu'il est en conflit d'intérêt. Pas dans le caucus, pendant le conseil, non, parce qu'il est en conflit d'intérêt. Mais pour les discussions qu'il puisse apporter son point... Écoutez, je vous le dis, je vais revérifier parce que c'est pas ça qu'on m'a dit, puis j'invente pas ça, là, des codes d'éthique, là, si je me suis fait dire ça. Allez-y. Politique, l'éthique et la logique, ça va pas toujours ensemble. Puis s'il y a ça, c'est parce qu'à quelque part, un jour, il y a eu de l'abus. Monsieur? D'autres questions, commentaires? Madame Charpentier? Oui. Oui. Les autres, ils tracent des balises, puis nous autres, on peut faire l'entonnoir avec. Mais on ne peut pas aller plus large que ce qu'ils donnent. Bien, moi, je ne suis pas d'accord avec votre point, là, mais je vous ai entendu. Oui, vas-y. En fait, les autres comités, pour la plupart, là, c'est le conseil qui demande de mettre les bonus. On s'entend, Mike est pompier, mais ce n'est pas Mike qui représente les pompiers. Je le fais peut-être mal, mais c'est moi qui... C'est deux choses à part. Fait qu'il a juste démissionné comme pompier. Là, elle a démissionné pour être d'autres, mais c'est pas moi qui a construit l'autre. Effectivement. Bon. Je pense que le point qu'on apporte, la seule meilleure exemple que je peux donner, on peut le comparer en même temps qu'il faut le comparer parce que les gens ne sont pas éliminés. Mais
Je veux juste clore la discussion là-dessus. Je vous ai entendu vos doléances. Je vous ai dit sur quoi c'est basé. Vous me dites que vous avez entendu quelque chose. Je m'engage à revérifier. Puis comme je l'ai dit, là, j'ai rien contre moi. Je ne l'ai pas sorti parce que je ne l'aime pas. Je l'ai sorti parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Merci. D'autres questions sur d'autres points? Est-ce qu'il y a un propos? Oui, monsieur, vous avez été... Le dernier. Juste se rappeler, quand vous aurez une discussion, vous allez avoir bien la misère à convaincre que si un pompier part de Saint-Nicéphore et s'en vient au camping, que je vais avoir le temps de brûler en masse, que plusieurs pompiers volontaires qui sont directs dans le district, là, arrivés pour essayer de me sauver, hein, entre les deux, là, la sécurité publique, je me sens bien plus sûr avec les pompiers. C'est la même que là. Ça dépend, il faut demander c'est ça que j'ai dit. J'aurais besoin d'un proposeur ou un secondaire pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Lalonde, secondé par Mme Couture. Merci tout le monde, puis le prochain soir. Même si vous n'avez pas de point qui vous tient autant à cœur que ce soir, je vous invite à revenir. Moi, j'aime ça du monde, là. Je vous attends.